Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le mois de décembre approche à grands pas et qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. Donc, cette année, j'ai les mêmes calendriers de l'Avent que l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que j'ai le scrap Didi, donc, qui s'appelle cette année Ma vie en scène. Il est super épais. Vraiment, il est très très épais. Je sens qu'il est bien bien rempli. J'ai également le calendrier de l'après. J'adore cette idée de calendrier de l'après. Pour moi, c'était du génie. Je trouve ça génial. Comme ça, on prolonge jusqu'au 31 décembre. Les petites pochettes à ouvrir, c'est super. C'est génial. Et donc, j'ai pris également cette année le calendrier de l'Avent de chez les ateliers de Karine. Donc, il se présente dans une pochette comme ceci. Il est vraiment très difficile à choper. Franchement, moi, je l'ai acheté le jour de la sortie, hein, mais vraiment tout de suite, sinon c'est un peu fichu. Alors, on va commencer par le scrap Didi et je vais ouvrir le carton. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas ouvrir les pochettes. Hein. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, ne vous spoilez pas. Yes! On a un magnifique tote bag. Avec écrit Bienvenue dans la famille Scrap Didi, là où créativité et passion se partagent. Ça, c'est génial. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais les tote bags. J'en ai beaucoup et j'adore ça. Je m'en sers énormément. Et celui-là est vraiment très très beau. Et donc ensuite, on a les pochettes. Donc elles sont dans des pochettes craft. Donc tout ce qu'on a pour le calendrier de l'Avent. Et donc cette année, donc on a un groupe privé sur Facebook, comme l'année dernière, où vous pourrez aller voir tout ce que la DT propose avec les produits du calendrier. Et donc, si vous voyez également les distress qui sont associés, donc on a Icoris Smoke, celle-là je l'ai, Spoon Sugar je l'ai, Stormy Sky je l'ai, Uncharted Mariner, ouais, quelque chose comme ça, je l'ai pas. Craquette pistachio, je l'ai. Et Fossilized Humber, je l'ai aussi. Donc moi, c'est le folie. Donc j'aurai les dies avec. Donc voilà. Moi, j'aime bien quand les pochettes sont un peu dans le désordre. Donc ça tombe bien. Ok. Bon, bah j'ai trop hâte. Et en ce qui concerne les ateliers de Karine. Je trouve ça très joli, ce petit décor en bois. J'adore le petit pochon aussi. Et donc, les pochettes, elles se présentent comme ceci. Bon, eh bien, j'ai très très hâte d'ouvrir tout ça. Donc, du coup, moi, ce que je ferais, c'est une petite vidéo. Vous savez, des petits shorts, là. Tous les jours. Alors, pas le jour même, le lendemain, pour garder la surprise à tout le monde. Et donc tous les jours, j'ouvrirai, je vous montrerai ce qu'il y avait à l'intérieur des deux calendriers de l'Avent. Bon, et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour l'ouverture des calendriers.